Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini. Continuons tout cela. La dernière fois, il y a eu tout ça. Je ne sais pas pourquoi je me fais chier à vouloir faire un résumé, vous l'avez sous les yeux, vous n'avez qu'à lire un peu. Vous êtes grand, vous avez au moins 13 ans, parce que YouTube, faut avoir au moins 13 ans pour venir. Je sais que c'est totalement faux. Hein? Mais bon. Et si vos parents vous laissent devant leur PC alors que vous n'avez pas 13 ans, c'est des parents irresponsables. Changez de parents. Bref. Qu'est-ce qu'on avait à faire? Vous n'avez pas des trucs à construire? Si c'était pour déblayer des trucs. Hein. J'ai une prairie, on pourrait faire une berge fraîche. Faut juste un peu de fric. Pourquoi tu dis ça? Parce que... Alors, normalement, le déblayage. Un autre paysage, du coup. Gorge fraîche. Berge fraîche. Gorge fraîche. Oula, Franck! C'est l'envie de boire quelque chose de frais, c'est horrible. Ça me... T'es encore en mode Donald ou quoi? Oh non, pas du tout. Je suis en mode il fait trop chaud pour réfléchir. Donc c'est un peu le mode OSEF d'après 22 h, mais... Mais en ayant chaud, quoi. Du coup, on n'a rien qui s'est fait de plus, je crois. Ah, ici c'est bloqué. Donc là, on a la baie qui continue de grandir. Là, c'est quoi? Ah oui, des objets. Ok. Là, on a l'Egidia. Là, on a Thierry, Ryan, ma mère. Ouais, j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné? Une atorbe. Bon. Et du coup... Oh, cool. C'est sympa la petite cascade en plus. Donne envie de créer un terrain comme ça sur Minecraft. Construire des trucs. Dojo. Trésor englouti, en vrai, ça serait pile à sa place ici. Il me faut juste une source cachée. On va aller voir si on n'a pas une mission avec une source cachée pour voir. Source cachée, source cachée. Là. Est-ce qu'on n'en a pas une avec meilleure récompense? Il y a celle-là. Ouais, bon, on va aller au bois cave, étage 7.
Qu'est-ce qu'on va prendre avec nous aujourd'hui? Attaque combinée. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ça va plus vite les dialogues. Bon, je crois. Est-ce que la ligne de code est toujours modifiée? Ouais, la ligne de code est toujours modifiée. Alors, notre équipe. Ah, c'est dommage, on peut pas laisser Matt. Franchement, c'est une honte. On va prendre Titi. Regarde. Mon travail ici est fait. Au revoir. J'aime beaucoup la grenouille Trigger que tu mets sur Twitch, surtout sur Discord. Je vais peut-être la prendre et la mettre sur. Alors toi, suivre mes pas. Et on va bloquer ton lance-boue et ton mimique. Ah lui tout seul il m'a baissé ma en attaque de deux rangs. Faut que je trouve une case miracle. Ah voilà. Vas-y. Le problème c'est qu'il y aura que ceux qui sont abonnés qui pourront l'utiliser vu que c'est un emote qui bouge. Que j'ai pas recruté de Pokémon, ils veulent pas venir avec moi. Il y a peut-être une limite de nombre de Pokémon qui peuvent nous rejoindre au bout d'un certain temps. Ah, ou peut-être que quand on est 4, ils nous rejoignent pas. Je sais pas, j'ai peut-être une énorme connerie. Hein. Il me semble que le jeu avait dit que plus on est nombreux, plus ils ont de chance de nous rejoindre. Je sais pas si tu suis One Punch Man, Matt.
Ou tu suis que One Piece en matière de manga scan ou quoi? Que One Piece, ouais, ok. One Punch Man, ça t'intéresse pas? Parce que le dernier scan qui est sorti, j'étais mort de rire. Parce que bon, ceux qui disent One Punch Man hein, dans la vidéo, bouchez-vous les oreilles ou avancez un peu. Mais en fait, il avait trouvé un adversaire à sa taille. Et qu'il n'arrivait pas à vaincre, quoi, et qui était aussi fort que lui. Le problème, c'est que, on a eu la révélation sur son pouvoir, Saitama, le gars de One Punch Man, qui est en fait un pouvoir de toujours surpasser celui qu'il affronte. C'est ça son pouvoir, du coup. C'est pas qu'il les bute en un coup, en fait, c'est que, au bout d'un moment, il arrivera à les buter d'un coup parce que c'est son pouvoir. Et là, il a carrément battu Dieu en lui pétant dessus, en fait. Et en lui éternuant dessus. C'est... Donc bon... C'était hilarant, j'étais mort de rire face au manga en mode... En fait, les gens, ils étaient fous en mode « Waouh, Saitama, il va mourir, il va être blessé, tout ça. » Le gars, il a pas du tout été blessé. Déjà, il a donné un coup de poing, il a détruit un univers. Et ensuite, imagine une courbe en mathématiques. Imagine des trucs exponentiels. T'as la... Putain, pousse-toi, toi. T'as une courbe, t'as la courbe d'avancement de l'ennemi, et t'as la courbe d'avancement de Saitama qui sera toujours multipliée par 10 par rapport à la courbe d'avancement de l'ennemi. C'est ça son pouvoir en fait. Durant le manga, le créateur du coup a expliqué, durant le manga en fait on n'avait pas l'impression que Saitama évoluait parce qu'il n'avait personne à affronter qui le ferait évoluer. Mais là, maintenant qu'il avait trouvé quelqu'un d'aussi fort que lui, et ben il a évolué encore. Moi je trouve ça sympa, mais j'étais mort de rire. Hop là. J'avais pas vu que c'est Marestre qui nous donne des récompenses quand on bat un ennemi. Yeah! On est passé au grade argent. Attichant, roupichant, téléchant. Guide de détour. Jeu combat, de vol. Ah, des graines, ça c'est cool. Résigraine, c'est cool. Cadeau de type O pour recruter Pokémon type O. Écharpe synchro pour augmenter, j'imagine, l'attaque synchro. Et 5 lingots. Waouh! Allez, on continue. Qu'y a-t-il? What the fuck? Ça vous dirait de monsieur jusqu'au village relais? Depuis la colline, on peut apercevoir le mirage. De quoi tu parles? Quel mirage? Le mirage, c'est quelque chose de loin qui se reflète au ciel, c'est ça?
Oui, tout à fait. De temps en temps, on peut apercevoir depuis un village volé. Pareil qu'il est plus beau que d'habitude, car on le voit vraiment bien aujourd'hui. Tout le monde est déjà parti admirer. Tu m'étonnes. On va pas rater ça. On va voir ça de plus près, franchement. T'es pas ma mère. Ouais, y a déjà plein de curieux. Voilà, les amis. C'est là-bas. On le voit bien. Oh, comme c'est beau. Quelque chose d'énorme flotte dans le ciel. On dirait des montagnes enneigées. Je me demande ce que c'est. C'est le grand glacier du Nord. Grand glacier du Nord. Un immense glacier s'étend sur les bords de la mer et ceux qui se trouvent là-bas au nord. En escaladant une montagne près du bord de mer, je pouvais apercevoir. C'est un spectacle magnifique. Croyez-moi, j'en ai eu littéralement le souffle coupé. Quelle chance! Moi aussi, j'aimerais le voir. Et moi donc? Ce grand glacier, à quoi ressemble-t-il? Est-ce un parfum d'aventure? On dit qu'il y aurait là-bas des gemmes de glace. Ou même le légendaire grand cristal. Des rumeurs ne manquent pas. Enfin, impossible de savoir ce qu'il y a vraiment là-bas. Comment ça? Personne n'y a jamais mis à pied. Enfin, c'est ce qui se dit. La route qui y mène est barrée par de nombreuses crevasses géantes. Et pour couronner le tout, ce glacier se trouve sur des terres mystérieuses. Les crevasses bougent sans prévenir, impossible de cartographier. Oubliez aussi l'idée d'y accéder par les airs. Une brise glacée empêche toute approche. Ah. On n'aura vraiment aucune chance de réussir alors, vu notre niveau actuel. Mais il faudrait jamais dire jamais. On s'y rendra un de ces jours. On tentera l'aventure au grand glacier. Ouais. Bah ouais, carrément. On doit s'entraîner pour être prêt. Remettons-nous au travail, des missions nous attendent. C'est tout? Pas d'avancée d'histoire? Ah, ah, nouveau colporteur. C'est toi le colporteur? Ah non, toi t'es avec ta mère, toi. Dans le colporteur, il est... Oh! Rex qui est ouvert. C'est un combien là? Alors qu'est-ce qu'il vend? Deux lingots pour une régie graine. Des clés. Oh, de belles CT. Ok, intéressant. On va garder les lingots, hein. Écoutez. Le dojo acier. D'accord, c'est pour ça en fait que... D'accord. Bon, j'ai aucun Pokémon de type acier, mais voilà. J'ai compris. J'ai compris qui venait là et qui ne venait pas. Je vais quand même retirer du fric. Je crois que j'ai besoin de 600 Pokédollars. Coucou Alix! Trésor englouti, du coup, j'ai dit. Ouais, c'est ça. Trésor englouti. C'est pas ça? Guide des tours.
c'est Staros qui s'en occupe. Ça marche. Du coup, ça fait quoi, trésor en platine? Ah. 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 Il doit y avoir un moyen de gérer le truc, mais je l'ai pas fait. Contrôle. Bouton latéraux, ZL, divers, start, bouton, débogage, circle mode. Mouvement. J'ai trouvé. Non. Ouais. Un coffre noir comme ça doit être très précieux. Ah la 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 la. Cap appel, métal retinant. Bah, et le coffre noir. Ah, c'était peut-être que le coffre bleu. Téléporte égaré auprès des équipes, écharpe synchro. Je vais donner l'écharpe synchro déjà à Matt. Bon. On va construire du coup un autre truc. On va le construire là-haut. On va vérifier si on a... Oh, les baies sont prêtes. Alors... Il me faut... deux bâtons précieux. Ça marche. Alors, bâton précieux. Cette mission-là. Étage 4, col du mirage. Let's go. Je m'inquiète pour statistique. Et on y va avec Titi. Je vais essayer de changer de perso à chaque fois que je pars en mission. À chaque épisode en tout cas. Bah aujourd'hui c'est Titi. L'autre fois c'était les JIA, il y a eu Ryan aussi. Thank you.
Piston. Monument spécial. Que des trucs spéciaux. Pas normal. Du coup, c'est ici normalement. Eh ben, ça aurait été rapide. Tigraine et 30 points. Normalement, ça nous dit combien de points on a besoin pour monter au grade supérieur. On doit en avoir besoin d'un millier à peu près. Mais ça, j'ai joyeux pionnier. Vous pouvez maintenant contrôler un des Pokémon autre que Franck. Ah ah! Ça, c'est cool ça d'habitude. C'est en post-game qu'on nous fait ça. C'est cool. Mais. Vu qu'au niveau des aventures, il faut prendre uniquement notre perso. Joue en mode camarade, votre aventure sera. Je me mets en lurk. Ok, pas de problème. Normalement, je commence Fire Emblem vers 21h si tout va bien. On peut tester. On a combien de temps d'épisode là? Ah, remarquez, on approche de la fin de l'épisode. Le guide des détours. Let's go. Et on s'arrêtera là pour cet épisode du coup. Tout ce que ça fait, mais ouais, on va voir. On verra bien, on verra bien. Est-ce que on peut regarder ce qu'il faut pour améliorer en vrai? 3 terres primitives. Et je vais regarder si on a une mission pour les terres primitives, et puis on fera ça pour la prochaine fois. Terre fertile, je pense que j'ai pas encore les niveaux de mission pour les améliorations. Je crois que c'est ce que j'avais vu l'autre fois. On a que la terre fertile et tout de base, on n'a pas les. Tableau de mes filles, vous devez réussir en tant qu'unique représentant de votre équipe cependant, vous pourrez jouer. Mais... D'accord. C'est que en ligne, mais bon. Vu les niveaux, j'ai pas le niveau. 5 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Yo.
sûr que j'ai pas le niveau. Ok, je vois. Bon, et bien sur ce, je vais vous dire à tous ciao, à plus. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de tout ça. Allez, salut à tous. Et niveau suivant, 140. Ah, mais c'est pour moi. Non, c'est pour... Ah, c'est pour le truc. Ok. Allez, hop.